Bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo et en particulier à mes chers élèves. Soyez les bienvenus dans la première leçon de classe inversée. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment dénombrer jusqu'à 19. Mais avant cela, un petit rappel. Dénombrer, c'est compter le nombre d'éléments d'une collection. Comme par exemple des fleurs. Voici donc une collection de fleurs. Et on va essayer de savoir combien il y en a. Pour nous aider, on va faire des petits traits sur les fleurs au moment où on les compte. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien sûr, il faut penser à écrire le résultat pour ne pas l'oublier. À ton tour maintenant. Je fais les traits et tu comptes les ampoules tout seul à voix haute. Tu es prêt? Alors c'est parti. Stop! Stop, j'ai dit! Ça ne va pas. Ça va pas comme ça. On compte les ampoules n'importe comment. On risque de se tromper. En effet, quand on dénombre une collection, il faut être organisé et respecter un ordre. Ça évite de se tromper. Allez, on efface tout et on recommence. Tiens-toi prêt, c'est reparti. Maintenant, il faut penser à écrire la réponse. Tu avais trouvé ce nombre? Il y avait en effet 15 ampoules. On a dénombré des fleurs, des ampoules, mais ça fonctionne avec tout. Des cadeaux, des cœurs, des hamburgers, des diamants, des appareils photo, des crayons. Oh là là, ça va trop vite pour moi. Je suis perdu. Ça en fait des éléments. D'ailleurs, combien y a-t-il d'éléments sur le tableau? Peux-tu m'aider à les compter? Tu pourras retrouver cette image dans l'article de cette leçon. Si tu veux, tu peux noter ton prénom et la réponse sur une petite feuille de papier que tu pourras déposer dans une boîte lundi en arrivant à l'école. Bon, je crois qu'un peu de rangement est nécessaire avant de faire le bilan de cette leçon. Pour bien dénombrer jusqu'à 19, je dois penser à faire un petit trait sur les éléments au moment où je les compte, pour ne pas compter deux fois le même élément ou en oublier. Organiser ma façon de compter, en essayant de respecter un ordre. Écrire rapidement la réponse, pour ne pas l'oublier. Pour réussir tout ceci, il faut que je connaisse la suite des nombres au moins jusqu'à 19, et bien sûr, que je sois capable de les écrire. Alors bravo à vous, vous venez de suivre votre première leçon de classe inversée. Grâce à ça, nous allons pouvoir jouer avec les cartes animaux et les cartes étoiles, et vous pourrez vous affronter dans un grand tournoi de bataille. En attendant, courez vite vous entraîner sur les jeux que je vous ai mis en lien dans l'article. C'était peut-être pas nécessaire de courir sur mon bureau. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et à vous dire au revoir et à lundi.